J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma make-up routine. Je tiens à préciser que je me maquille vraiment pas tous les jours, que je me maquille quand j'en ai envie. C'est pas un moyen de me trouver plus belle. Au contraire, je me trouve vraiment belle même sans maquillage. Et donc, le maquillage, le make-up, c'est juste vraiment que j'aime me maquiller de temps en temps. Juste avant de commencer, gars, je voulais vous dire un énorme merci parce qu'on est à peu près 600 abonnés sur ma chaîne. Honnêtement, un énorme merci. Je pensais jamais me rendre là. En si peu de temps, avec le temps de pause que j'ai pris, c'est juste incroyable. Puis j'espère que ça va continuer. Sachez, guys, que peu importe le nombre d'abonnés que j'ai, même si je reçois beaucoup de messages, je vais continuer à vous lire, à vous répondre le plus possible. Parce que vous prenez le temps de m'écrire, je vais prendre le temps de vous répondre. C'est juste logique pour moi, puis j'aime ça, être proche de vous, savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins. Et tout, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, guys, je vous adore. Vous êtes juste insane. Alors sur ce, on peut commencer. By the way guys, pendant la vidéo je vais regarder ici parce que mon miroir est juste là. Première étape, je vais venir prendre mon cacherne Fit Me de chez Maybelline. Honnêtement, c'est le meilleur cacherne que j'ai jamais vu. Il cache bien, il fait pas de ligne, tu le vois pas. Et il est vraiment vraiment pas cher, je pense qu'il m'a coûté comme 5,99$. Je vais venir en mettre comme en dessous de mes yeux. J'en mets pas de temps honnêtement, je vais faire deux lignes de même. Plein de mots avant laveur. Et comme j'ai pas de beauty blender, parce que je trouve que ça va mieux avec des doigts, je vais venir l'étendre. J'en ai pas mis assez. Ah, non, c'est correct. Honnêtement, aujourd'hui, je pensais que j'allais avoir plus de cernes que ça, parce que hier, je me suis couchée vraiment tard. Parce que un de mes amis était supposé venir me voir, mais finalement, il est juste pas venu. Par la suite, je vais venir prendre mon fond de teint de chez Fit Me encore une fois. J'achète 112, puis je vais venir en mettre vraiment partout. Il est presque vide. Fait que là, il faut que j'attende vraiment longtemps avant que ça coule. Ça va être long. Parce qu'il y aurait, je pense, genre ça dans le fond. Puis ça prend vraiment du temps avant que ça... Ouh, ça commence. Ok. Là, je suis genre... Je filme sur mon lit. Fait que si ça tombe sur mon lit... J'ai un drap blanc, je pense que je tue. Je vais venir comme... Oh, c'est... Oh my god. Okay. C'est pas super. Honnêtement, j'ai peut-être une technique bizarre. Mais ça marche, carré, ça marche. Voilà! J'aime beaucoup plus appliquer mon fond de teint et mon cacherne avec mes doigts. Je trouve que ça va mieux et c'est plus précis. Je vais essayer vraiment avec un beauty blender, mais dans le fond, j'aime mieux avec mes doigts. Fait. Troisième étape, je vais venir me recourber les cils parce que je trouve que le mascara après paraît plus. Puis je trouve ça vraiment plus beau. J'ai pas tant de talent. Je m'arrache un cil quasiment tout le temps. Ou je fais couler mes yeux, ce qui fait ah, oh, ben voilà. Par la suite, une fois que l'étape de recourber mes cils est faite, je vais venir appliquer mon mascara de chez Marcel. Mais je vais venir... Ben là, il est quand même vide, fait qu'il faut que j'en mette quand même beaucoup pour que ça paraisse. Alors voilà, une fois que j'ai terminé de mettre mon mascara, c'est ça que ça donne. La quatrième étape et la dernière étape de mon make-up, c'est une poudre matifiante de chez Fit Me. Non, j'ai pas de highlight, j'ai vraiment rien, j'ai pas d'ombre à paupières, j'ai rien. Moi, c'est vraiment un maquillage très basique parce que j'haïs ça quand il y a trop de choses dans ma face, honnêtement. C'est pour ça que je me maquille pas tous les jours. Vous allez être fiers de moi aussi, j'ai perdu mon pinceau. Je l'ai perdu dans ma chambre, c'est ça le pire. J'ai pas perdu genre à Montréal, dans ma ville, dans la rue, là. Non, non. J'ai perdu dans ma chambre. J'ai obligé de prendre la petite ça, là, qui vient avec. Ça marche pas full, mais ça marche un peu. Fait on est un peu en business. Puis avec ça, je sais tellement pas comment le mettre, là, comme c'est vraiment plus rushant. Puis là, mes cheveux m'énervent. Ils m'énervent. Ça va vraiment mal, guys. Puis ça, avec les doigts, ça va vraiment mal. Fait que je peux pas trop le faire. Mais ça marche pas pire. On le voit comme... Je sais pas si vous pouvez le voir. Ça marche.
Alors voilà, c'est le résultat de mon maquillage. Je sais pas si vous voyez super bien. Moi, je le trouve vraiment beau, vraiment facile à faire, puis ça prend pas trop de temps. Alors voilà tout le monde, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si vous voulez d'autres vidéos de type beauté. Je pourrais faire sur ma chaîne parce qu'aujourd'hui, c'était la première vidéo de style beauté que je faisais sur ma chaîne. Ça m'intéresse de savoir si vous en voulez d'autres. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. On est quasiment 600 abonnés. Merci beaucoup, je vous adore. Et n'oubliez pas de mettre un thumbs up si la vidéo vous a plu. Alors sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye!